Kolej facili. Alhamdulillah. Ça c'est mieux. D'accord. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد الصادق الوعد الأمين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار معرفة والعلم ومن وحول الشهوات إلى جنات الفردوس إخوان في الله تبارك وتعالى وسلام الله تعالى عليكم ورحمة الله وبركاته Alhamdulillah, on va remercier Allah Jalla wa Ala wa Jalla fi ulahu wa al-fatir al-samawati wa al-ard. Allah Tabarak wa Ta'ala qui a fait de nous ses créatures. Allah Subhanahu wa Ta'ala qui a fait de nous ses serviteurs. Allah Jalla fi ula qui nous a anoblis avec ad-din al-islam. Allah Tabarak wa Ta'ala qui a fait de nous la meilleure des communautés qui existaient à la surface de la terre. Comme l'a dit Allah Jalla wa Ala, Kuntu khayra ummatin ukhrijat linnas, ta'amuruna bil ma'ruf, wa tanhawna anil munkar, wa tu'minuna billah. On remercie Allah Tabarak wa Ta'ala, Allah qui a tracé pour nous une direction à suivre. Allah Jalla wa Ala qui a choisi pour nous un mode de vie. Allah Tabarak wa Ta'ala qui a choisi pour nous un modèle à suivre dans nos actions au quotidien, dans notre vie, dans la dunya. Et notre modèle, c'est la vie de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Wa afdolu salat wa atamu taslim. Remercie Allah Tabarak wa Ta'ala. Allah Jalla fi ghula qui a fait de la sunna de Nabi sallallahu alayhi wa sallam l'unique chemin pour la communauté de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. On n'a pas deux voies à suivre, on n'a qu'une seule voie. C'est d'appliquer les ordres d'Allah tels que l'a appliqué An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam wa afdolu salat wa atamu taslim. On n'a pas deux moyens de réussir notre vie fi dunya wal akhirah. On n'a qu'un seul moyen pour réussir notre vie fi dunya wal akhirah. Ce seul moyen-là, c'est le fait de comprendre l'islam tel que l'a compris et l'a appliqué An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Ainsi que les sahaba radiyallahu ta'ala anhum, ainsi que les ta'bi tabi'in, et tous ceux-là qui se sont attachés fermement à la sunna de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Cela voudrait dire que celui qui croit en Allah tabarak wa ta'ala, celui-là il doit accepter la sunna de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui croit en Allah jalla wa ala, il doit considérer la sunna de Nabi sallallahu alayhi wa sallam comme le meilleur chemin qui lui permettra de réussir sa relation avec Allah tabarak wa ta'ala. Ça veut dire que celui qui croit en Allah jalla wa ala, il n'a pas deux modèles, il n'a qu'un seul modèle et son modèle c'est An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Voilà pourquoi mes frères en Allah tabarak wa ta'ala, Al-Imam al-Bukhari rahimahullah, il va nous citer cette histoire-là qui nous vient d'Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala an. Il nous relate qu'un jour il y a trois hommes qui ont été s'enquérir des nouvelles de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et ces trois hommes-là, ils ont voulu savoir comment Nabi alayhi salatu wa sallam il adorait Allah tabarak wa ta'ala. Et comment il vivait sa vie au quotidien pour qu'Allah il accepte dans son jannat pour qu'il réussisse sa vie, fit dunya wal akhirah. Alors ceux-là, ils ont été voir les épouses de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et ils ont questionné les épouses de Nabi sallallahu alayhi wa sallam à propos du mode de vie de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et ici, dans la version de l'imam al-Bukhari, rahimahullah, il est dit ici que les épouses de Nabi sallallahu alayhi wa sallam,
Ils ont informé cela sur les actions d'adoration de Nabi alayhi salat salam. Ils ont dit à cela que Nabi alayhi salat salam, il priait un moment dans la nuit et il dormait un moment. Il jeûnait des jours et il mangeait des jours. Et avec l'aide d'Allah Jalla wa Ala, il passait des moments avec sa femme et des moments où il tirait profit de la compagnie de ses épouses. Et il avait aussi un temps où il se consacrait à l'adoration d'Allah Tabarak wa Ta'ala. Lorsqu'on a informé cela de ces actions de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ceux-là, ils ont trouvé que c'était des actions d'adoration légères. Ils ont trouvé que c'est léger. Le fait d'adorer Allah une partie de la nuit, dormir une partie, jeûner un moment, manger un moment et passer du temps avec la femme, ricaner avec elle, ils ont trouvé que c'est léger. Alors, comment ils se sont justifiés? Ils disent, tout ce que ces femmes nous ont dit là, c'est vraiment léger comme action d'adoration pour avoir le paradis. Et qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent que le prophète, alayhi salatu wassalam, selon eux, ils disent que Nabi Allah l'a annoncé que lui, Allah, il lui a pardonné ses péchés passés, présents et futurs. Alors ils disent, mais celui-là, Allah lui a pardonné ses péchés passés, présents et futurs. Donc lui, il n'a pas besoin de faire beaucoup d'efforts pour avoir le paradis. Donc, c'est normal qu'il se contente de ce genre d'action d'adoration. Alors après cela, ils ont dit, nous, on a bien entendu ce que vous avez dit, mais nous, on sait que le prophète, alayhi salat salam, Allah lui avait déjà pardonné ses péchés passés, présents et futurs. Donc ce qu'il a fait là, nous on trouve que c'est léger. Ou bien c'est seulement pour des gens à qui Allah il a pardonné leurs péchés passés, présents et futurs. Donc nous on va faire plus que ça. Alors le premier, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, moi pour avoir le jannat, à partir d'aujourd'hui, je vais prier toutes les nuits. Chaque nuit, je prie du début de la nuit jusqu'au matin. 24 heures sur 24, je vais adorer Allah de la sorte. Et bi'idhnillahi tabarak wa ta'ala, je pourrai avoir quoi? L'amour d'Allah et la récompense promise par Allah Jalla fi'ula. Le deuxième, il dit, moi, je vais jeûner toutes les journées. Je ne vais plus manger la journée. Dès que la journée arrive, je vais faire le siyam et je vais jeûner toutes mes journées. Et de cette manière-là, je vais jeûner jusqu'à ma mort. Je ne vais manger qu'à la rupture. Chaque jour qu'Allah me donnera, je vais jeûner jusqu'à ma mort. Et ainsi, bi'idhnillah, j'espère avoir l'amour d'Allah et la récompense promise par Allah, tabarak wa ta'ala. Le troisième, il dit, la femme, c'est une distraction. Il dit, les femmes, c'est l'amusement. Elle va me distraire dans mes moments d'adoration. Souvent, elle va venir avec ses manières et tout, et ça va me distraire. Et moi, je n'ai pas besoin de ça. Donc moi, pour être toujours concentré 24 heures sur 24 et toujours attaché à Allah, alors moi, je décide de ne même pas me marier. J'enlève le mariage dans mon programme de vie. Allahu Akbar. Et moi, je vais adorer Allah 24 heures sur 24. Je n'ai pas besoin de femme. Et bi'idhnillahi jalla wa ala, de cette manière, je vais réussir. Voilà les trois décisions qu'ils ont prises. Quand ils ont pris ces décisions-là, au moment où ils s'apprêtaient à partir, le prophète, alayhi salat salam, il rentrait. Naam. Quand Nabi est arrivé, les épouses l'ont informé de la situation de ceux-là. Ils disent, il y a Nabi Allah, alayhi salat salam, il y a trois personnes qui sont venues, ils ont voulu se renseigner sur comment tu adorais Allah pour avoir le paradis. On les a informés, ils ont trouvé que c'était trop léger. Et ils disent que toi, Allah t'a pardonné tes péchés, passés, présents et futurs. Donc toi, c'est normal que tu te comportes de la sorte. Mais eux, ils ont décidé, le premier dit lui, il va prier toute la nuit, il ne va pas dormir jusqu'à sa mort. Le deuxième lui dit, il va jeûner toutes ses journées. Et le troisième, il dit que les femmes, c'est une distraction, que lui, il n'a plus besoin de ça, il ne va pas se marier. Dès qu'ils ont informé Annabi alayhi salat salam de la décision de ces trois-là, le prophète alayhi salat salam, il a demandé à ce qu'on leur fasse appel. Et ceux-là, ils sont venus. Quand on les a convoqués, Annabi sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il va leur dire? Il regarde cela, il leur dit, il dit, moi je suis le messager d'Allah alayhi salat salam. Et moi, je crée Allah plus que vous. Et moi, j'aime Allah plus que vous. Et moi, je valorise Allah plus que vous. Et moi, je recherche le paradis plus que vous. Allahu Akbar. Le prophète, il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, il dit, malgré le fait que moi, je crée Allah plus que vous, il dit, moi, je dors une partie de la nuit
et je prie une partie. Allahu Akbar. Dans ma nuit, il y a un moment pour le sommeil et un moment pour les actions d'adoration. An-Nabi dit deuxièmement, il dit, moi je crains Allah plus que vous, mais je mange les jours de la semaine et il y a des jours où je jeûne. Je ne jeûne pas tous les jours. Il y a des moments où je mange, il y a des moments où je jeûne. An-Nabi dit troisièmement, il dit, moi je crains Allah plus que vous, j'aime Allah plus que vous, je cherche le paradis plus que vous, mais moi je me suis marié et je profite de la compagnie des femmes. Allahu Akbar. Alors An-Nabi lui a dit sallallahu alayhi wa sallam, il dit, ainsi est ma voie et ma sunna. Il dit, celui qui va se détourner de cette voie, de ce chemin que moi j'ai emprunté, An-Nabi dit sallallahu alayhi wa sallam, il dit, celui-là, il s'est détourné de la sunna de Nabi sallallahu alayhi wa sallam et il ne me suit plus comme son Nabi, comme son prophète. Point barre. Prophète, il dit quoi? Il dit, ça, c'est ma sunna. C'est ma sunna, c'est mon chemin. Il dit, celui qui va se détourner de cette voie-là en disant que les femmes, c'est une distraction. Moi, mashallah, je vais être cher. C'est ça, non? Donc, je n'ai pas besoin de me marier. Mon temps là, j'ai consacré à l'apprentissage du Coran. Je vais être un cheikh, un alim, mashallah. Et je n'ai pas besoin de la distraction dans ma vie. Et moi, je prends l'engagement de ne jamais me marier, même si Allah me donne les moyens. An-Nabi dit sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, celui qui va se mettre dans cette logique, il dit, celui-là, il a abandonné la sunna de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Ça veut dire quoi? Il n'est plus en train d'appliquer l'islam comme Allah lui a demandé d'appliquer. Et Allah n'a plus besoin de son dîn, de sa religion. Voilà pourquoi Abdallah ibn Mas'ud, radiyallahu ta'ala an, il dit, toute personne qui a recherché la piété, la taqwa, toute personne qu'Allah a permis d'atteindre la taqwa, il dit, celui-là, s'il veut compléter sa piété, parachever sa taqwa et faire en sorte qu'Allah soit satisfait de l'état de son cœur, Abdallah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala an, il dit, celui-là, il doit compléter sa taqwa avec le mariage. Allahu Akbar. Qui a dit cette parole? Abdallah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala an. Qui a dit cette parole? Le compagnon qui a compris le mieux le Coran à l'époque de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Qui a dit cette parole? Celui qui enseignait le Coran aux Sahaba radiyallahu ta'ala anhum, qui est Abdallah ibn Mas'ud. Qui a dit cette parole? Celui-là qui enseignait le Coran à Omar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala an. Qui a dit cette parole? Celui-là dont Abu Bakr as-Siddiq le questionnait au sujet du Coran. Qui a dit cette parole? Celui dont le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam, il dit, celui qui veut entendre la récitation du Coran comme moi je l'ai entendu de la bouche de Jibril alayhi salam, An-Nabi dit sallallahu alayhi wa sallam, qu'il écoute la récitation du Coran de la bouche de Abdallah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala. Et cet homme là il dit, celui qui a atteint la taqwa, la piété, celui qui veut compléter sa piété, qu'il complète sa piété avec quoi? Avec le mariage, avec ce qu'on appelle al-nikah, avec zawaj. Allahu Akbar. Voilà pourquoi mes frères en Allah, le mariage, c'est une sunna de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Le mariage, c'est une sunna de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Le mariage, c'est la voie qu'Allah nous a tracée si on veut atteindre l'agrément d'Allah fi dunya wal akhira. Le mariage, c'est pas juste je me marie si je veux, mais Allah Jalla wa Ala nous l'a imposé dès qu'Allah nous en donne les capacités et les moyens de le faire. Les savants sont tous unanimes. Le mariage est obligatoire pour celui à qui Allah il donne les moyens et la capacité de le faire. Si tu n'as pas les moyens et la capacité, on va parler de cela tout à l'heure. Mais le mariage en islam, c'est une sunna de Nabi alayhi salatu salam. Ça veut dire que tous les jeunes doivent aspirer au mariage. Tout le monde doit faire de ça un programme. Allahu Akbar. Abdallah ibn Amr ibn al-Asr radiyallahu ta'ala an, il cite ce hadith où Nabi dit sallallahu alayhi wa sallam, Nabi dit, il dit, cette dunya est remplie de jouissance. Naam. C'est pas ça? Cette dunya est remplie de jouissance. Mais Nabi dit sallallahu alayhi wa sallam, il dit, la meilleure des jouissances dans cette dunya, la meilleure des jouissances dans cette dunya,
Il dit, c'est la femme pieuse. Le fait qu'Allah te permet d'avoir une femme pieuse. Une femme pieuse. Pendant qu'Allah, il a dit, Jalla wa ala, wa mal hayatu dunya illa mata'ul ghurur. Allah dit que la dunya en elle-même, c'est une jouissance trompeuse. Mais parmi toutes ces jouissances-là, An-Nabi dit sallallahu alayhi wa sallam, si Allah t'a permis d'avoir une femme pieuse, une femme qui crée Allah, une femme qui obéit à Allah, une femme qui ne vit que pour rechercher l'amour d'Allah, l'agrément d'Allah, jalla wa ala, une femme qui est soumise à son époux, une femme qui préserve son honneur, Allah il azim, une femme qui veille sur les biens de son époux, comme nous l'a défini An-Nabi alayhi salatu salam, il dit si Allah te permet d'avoir cette femme et que tu l'as épousée, An-Nabi dit Allah t'a accordé la plus belle des jouissances dans la dunya après la taqwa. Allahu Akbar. Après la piété, Allah il t'a accordé quoi? La plus belle des jouissances. Allahu Akbar. Maintenant le mariage dans notre din. Écoutez bien ce que je vais dire. Dans la religion d'Allah, Jalla wa ala, il y a des personnes pour qui le mariage il est obligatoire. Hein? Ça fait un. Et il y a des personnes pour qui le mariage est recommandé. Ça fait deux. Il y a des personnes pour qui le mariage est détestable. Ça fait trois. Il y a des personnes pour qui le mariage ne leur est même pas permis. Ça fait quatre. D'accord? Hein? On va parler déjà de ces quatre. Un, des personnes pour qui le mariage est obligatoire. Deux, des personnes pour qui le mariage est recommandé. Mu'aqqada, fortement recommandé. Il n'y a pas grande différence entre ce qui est fortement recommandé et ce qui est obligatoire. Trois, il y a des personnes pour qui le mariage est détestable. Allez, un, c'est détestable de les voir se marier. On va expliquer cela. Et quatre, il y a des personnes pour qui eux, ils ne peuvent même pas se marier. Hein? Le mariage n'est même pas permis pour eux. Et on va voir cela. Premier groupe de personnes dont le mariage il est obligatoire. On dit d'une personne que le mariage est obligatoire sur cette personne, à quel moment? Les savants disent la première condition, lorsqu'Allah Jalla wa Ala, il permet à cette personne déjà d'avoir les moyens de se marier. Il est musulman, il est attaché à Allah, Jalla wa Ala, il applique la religion d'Allah selon la sunna de Nabi alayhi salatu salam, masha'Allah, même s'il n'est pas savant, mais le minimum qu'Allah lui demande dans le din, dans la religion, il a la science de cela, il arrive à le faire. Donc le minimum de ilm à avoir, alhamdulillah, il a. D'accord? En plus de cela, Allah Jalla wa Ala lui a donné les moyens pour se marier. Quand on dit les moyens, ça ne veut pas dire qu'il est millionnaire. Hein? Les moyens, ça veut dire quoi? Il a un toit, un endroit où il peut dormir, s'il se marie lui et sa femme. Même si ce n'est pas sa maison, que c'est un endroit qu'il loue, ou bien on lui a fait cadeau, en tout cas, il a un toit. Même si c'est une chambre que le vieux dit, cette chambre-là, c'est pour toi, il a un endroit où moi, il peut dormir. On n'a pas dit d'avoir une villa, forcément. Il a un endroit où il peut se loger lui et sa femme. Deuxièmement, il a de quoi au moins, écoutez bien, hein, permettre de prendre au moins un repas dans la journée, comme l'ont dit certains oulamas. Sinon, deux repas, ce serait l'idéal. Mais au moins, il arrive à avoir deux repas dans la journée. On n'a pas dit trois. Hein. Un repas normal, normalement deux repas. Deux repas. Il arrive à manger au moins deux fois dans la journée. Il a un toit pour dormir. Il arrive au moins à avoir deux repas dans la journée. Ça fait deux. Troisièmement, il a de quoi s'occuper d'une femme. Comment? C'est-à-dire, si elle est malade, même s'il n'est pas riche, il peut avoir de quoi au moins l'aider. C'est-à-dire, assumer ses devoirs d'homme. Que ce soit ses devoirs conjugaux, les droits de la femme. Au niveau physique, au niveau moral et tout ça, il a cette capacité-là d'avoir un homme ou d'assumer les obligations du mariage, que ce soit dans la journée, mais les obligations au niveau de la nuit, non, c'est tout. Allah lui a donné la santé, la capacité de le faire, un toit, il arrive à avoir au moins deux repas dans la journée,
c'est un musulman au moins qui ne vit pas dans le shirk, qui n'est pas dans le haram et tout, au minimum qui arrive à appliquer son din comme Nabi lui a demandé de le faire. Il a le minimum de ilm au moins. On dit pour celui-là, quatrième condition, la dernière, c'est quoi? Lorsqu'il crée que s'il ne se marie pas, il s'expose à az-zina. C'est-à-dire au fond de lui-même, il est conscient qu'il est faible. Il est conscient qu'il est tenté. Il est conscient qu'il atteint un âge où c'est difficile pour lui de tenir face à la tentation des femmes. Et il est conscient de cette faiblesse-là. Et il est conscient que, tiens, si je ne me marie pas là, ah, je sens que vraiment ça ne va pas. Je pense trop aux femmes. Je fais trop des rêves érotiques la nuit. Hein? Je m'imagine des choses. J'ai du mal à baisser le regard. Quand je sors, je vois telle femme que j'aime bien et j'ai du mal à baisser le regard. Je regarde des rondeurs. Il sent au fond de lui-même qu'il a une certaine faiblesse face à la femme. D'accord? De façon naturelle. Et il sent qu'il n'arrive pas à se contenir. Les savants disent, si ces conditions sont remplies, le mariage est devenu wajib, obligatoire pour cette personne. Le mariage est devenu comment? Obligatoire. Lui, on ne lui dit pas, marie-toi, le mariage est recommandé. Pour lui, c'est wajib. C'est obligatoire. Il doit se marier. Pourquoi? Parce que par le mariage, il va se contenir. Ça va l'éviter de se retrouver dans az-zina. Parce qu'au fond de lui-même, il sent qu'il devient de plus en plus faible. Et tout ce qui nous permet de préserver notre iman, notre piété, est une obligation. C'est comme ça. Et tout ce qui nous fera nous éloigner d'Allah, Jalla wa Ala, c'est une obligation pour nous de nous éloigner de ces choses. Et il est obligatoire pour celui-là de s'éloigner de la fornication, de la masturbation, de tout ce qui tourne avec. Et le moyen qu'Allah l'a prescrit à cette personne pour s'éloigner de cela, c'est le mariage. Qu'est-ce que tout le monde me suit? Pour celui-là, le mariage est obligatoire sur lui. Écoutez bien ce que je vais dire. Quand on dit c'est obligatoire, ça veut dire quoi? Il n'a pas besoin de l'autorisation de ses parents pour se marier. Non, non, non. Il faut qu'on se dise les choses. Il faut qu'on dise la vérité aux gens. Dans la religion d'Allah, l'homme, il est responsable de lui-même. L'accord des parents, de ton père ou de ta mère, c'est un signe de respect, un signe d'estime. Mais ce n'est pas une condition de validité du mariage pour l'homme. Écoutez bien, pour la femme, ça c'est un autre cas. La femme, elle a des responsables. Mais pour l'homme, je ne peux pas me marier parce que mon papa dit qu'il ne veut pas que je me marie maintenant. Ça, ce n'est pas de dalil, ça, ce n'est pas une preuve. Ce n'est pas une preuve. Parce qu'Allah ne t'a pas rendu obligatoire l'accord de ton père avant le mariage. Est-ce que tout le monde me suit? Il y a des vérités, il faut qu'on se le dise. C'est vrai, dans notre coutume aujourd'hui, c'est mal vu. Lorsque ton papa dit non, que tu te maries, ta maman dit non, tu te maries, c'est mal vu. Donc même pas jusqu'à dire qu'il n'y a pas baraka dans ton mariage. Non, 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 non. Dans notre religion, Nabi nous a appris que l'homme, il est responsable de lui-même. Dès qu'il atteint l'âge de la puberté, là, il peut se marier lui-même. Il peut prendre deux témoins, qui sont ses témoins, à lui faire la demande en mariage d'une femme, dès qu'il réunit les conditions. Même si son père dit non, même si son père dit « je ne veux pas que tu te maries maintenant », il peut prendre deux témoins, à lui demander la main de cette femme. On célèbre le mariage il est valable. Le mariage, il est valable et il n'a commis aucun péché. Aucun. Pour la femme, elle n'a pas cette possibilité parce que c'est l'homme qui est responsable de la femme. Elle a besoin de l'accord de ses parents. Naam. Dans certains cas, dans certains milieux, il y a des cas exceptionnels. On ne va pas rentrer dans ces détails. Mais pour l'homme, l'accord de papa ou maman avant le mariage, c'est plus un signe de respect, un signe d'honneur. C'est des gens qui se sont occupés de moi, sont mes parents, ils m'ont valorisé, ils se sont occupés de moi, je leur dois du respect. Donc je vais me marier avec leur consentement, ils seront plus heureux et tout. Mais je sens que je ne tiens pas, je sens que je suis au bord du gouffre, je sens que si je ne me marie pas là, je vais me retrouver dans az-zina, dans le haram. Mon père me dit non, tu ne te maries pas. Pendant que j'ai les moyens de me marier,
je le fais. Si je ne le fais pas, j'ai désobéi à Allah. Et Allah va me questionner sur ce Yom Al-Qiyamah. Parce qu'Allah m'a donné les moyens de le faire. Et juste parce que mon père a dit non, j'ai refusé le mariage, je me suis retrouvé dans le haram. Donc, pour cela, le mariage, il est obligatoire. Qui sont ceux pour qui le mariage est muaqqada, recommandé, ou d'autres l'ont dit, fortement recommandé. C'est lorsque toutes les conditions que j'ai citées sont réunies, sauf la dernière condition. Ça veut dire quoi? Le frère, il est attaché à Allah, il crée Allah, c'est un bon musulman, il a le minimum de ilm et tout, il ne vit pas dans le shirk, il a les moyens de se marier, tel que j'ai expliqué. Le dernier point, c'est que lui, Allah Jalla wa'ala, lui a donné la possibilité de se contenir, de se contrôler. C'est-à-dire, il baisse le regard facilement, il ne pense pas aux femmes. Il y a des gens comme ça à qui Allah a donné cette facilité. Il est... Les affaires de femmes là, ce n'est pas dans sa tête, ce n'est pas une faiblesse pour lui. Vraiment, il ne se sent pas faible face à ça. Il peut se contenir. Pour ce genre de personnes-là, on dit à ce moment-là, le mariage, pour eux, est mu'aqqada. Fortement recommandé ou recommandé. Pourquoi? On dit qu'elle n'est pas obligatoire à ce moment-là. Lui, il peut repousser. Voilà pourquoi on dit. Voilà, c'est-à-dire, il n'est pas obligé de le faire maintenant. Parce que lui, il se contient, il peut attendre un peu. Si le padi dit, tu peux attendre, le padi attend un peu, il n'y a pas de souci. Lui, s'il attend un peu, il n'a pas désobéi à Allah. Parce que lui-même, il n'est pas vraiment faible face à ses passions, face à ses désirs. Il n'est pas vraiment éprouvé à ce niveau-là. Donc même si son père lui dit, attends qu'il attend, il n'y a pas de souci. Mais pour celui qui sent une faiblesse à ce niveau-là, et les parents lui disent, attends, et il attend dans cette faiblesse-là, et dans cette faiblesse, il passe son temps au téléphone, dans le haram, à regarder n'importe quoi, il ne baisse pas le regard, lui, il a désobéi à Allah. Mais pour l'autre, lui, il peut attendre un peu. Donc on dit à l'autre que c'est mu'aqqada, c'est fortement recommandé. Lui, il peut se donner du temps, parce que lui, il n'a pas cette faiblesse. Mais on lui recommande toujours, on recommande toujours à celui-là d'aspirer au mariage. Voilà pourquoi on dit mu'aqqada, fortement recommandé. Ensuite, très bien. Troisième personne, ça c'est ceux pour qui le mariage est détestable. Quel moment on dit que le mariage est détestable pour une personne? C'est lorsque c'est un bon musulman, pas de souci. Il a le minimum de ilm et tout. Je prends un exemple, il y a plusieurs points, il y a plusieurs exemples. Mais je prends un exemple pour qu'on comprenne un peu. Et il a en tout cas une bonne compréhension du dîn et tout ça, mashallah. Il est attaché à la sunna, il a un bon comportement comme l'a dit Nabi. On regarde tout ça avant de donner sa fille en mariage à une personne. Et il arrive à... Il a un toit, il peut s'occuper d'une femme au niveau de financier. Mais physiquement, il ne peut pas. Physiquement, il ne peut pas. Il a cet handicap. Soit il ne peut pas, en un mot, donner les droits d'une femme lors de la nuit de noces. Il ne peut pas satisfaire une femme physiquement lors de la nuit de noces. En tout cas, dans ses contacts charnels ou ses relations intimes, il a ce problème. Il ne peut pas. Maintenant, la femme qu'il veut épouser, cette femme l'a dit, moi je peux accepter ça. D'accord? Cette femme a dit non, du fait que tu lis le Coran et tout, tu es quelqu'un de bien, moi j'accepte. J'accepte de me marier avec toi, même si tu ne peux pas couvrir ce besoin que j'ai physiquement là. Mais moi j'accepte quand même. La femme, elle accepte quand même. Ça veut dire, elle a donné son accord, mais lui, physiquement, il a cet handicap. Les savants disent, pour celui-là, le mariage est pour lui détestable avec cette femme. On n'a pas dit haram, mais détestable. Parce que la femme a donné son consentement, elle est prête à accepter. Et un mariage, c'est un consentement mutuel. Elle est prête à accepter cette situation. Mais le problème est que cette situation-là sera une grande fitna pour cette femme. Et elle va priver, cette situation-là va priver cette femme d'un grand bienfait. Soit elle ne pourra pas avoir d'enfant, soit elle ne pourra pas satisfaire un besoin physique qu'elle a. Elle sera mariée, mais elle aura les mêmes faiblesses que les femmes qui ne sont pas encore mariées. Elle sera mariée, mais elle sera encore, elle aura les mêmes faiblesses que certaines femmes qui sont attirées par des hommes. Elle sera cette mariée, elle va apprendre à lire le Coran,
Mais cette faiblesse de l'âme-là, ce désir-là, sera toujours présent. Et elle n'aura pas cette stabilité-là. Donc on dit que pour celui-là, le mariage avec cette femme est détestable. On ne lui recommande pas. On recommande qu'il se détache et que cette femme, elle trouve quelqu'un qui remplit cette condition pour que ce mariage puisse se faire. Et lui, il se retire, il fait dua jusqu'à là, il l'aide dans cette situation. Non. Mais il ne dit pas non, moi, il n'y a pas de souci, elle a accepté, je pars. S'il accepte le mariage, il n'a pas commis d'erreur, mais on dit qu'il a posé une action détestable parce qu'elle va engendrer des situations beaucoup plus difficiles pour cette femme et même pour la communauté. Est-ce que tout le monde me suit? Donc on dit pour ce genre de situation-là, c'est un exemple que j'ai donné, le mariage, il est détestable. Quatrième point, des gens pour qui le mariage n'est même pas autorisé. Hein? Lorsque les points que j'ai cités là ne sont même pas touchés. Premier point, c'est quelqu'un qui ne crée pas Allah. Parce que le Nabi était clair. Hein? Il dit, si une personne, un musulman, un croyant, de bonne moralité, vient demander la main de ta fille, pour avoir une bonne moralité, il faut craindre Allah. Pour avoir une bonne moralité, il faut avoir un minimum de aqidah qui est correct. Pour avoir une bonne moralité, il faut rester d'abord croyant et musulman. Mais quelqu'un qui n'a même pas une bonne moralité, qui se plaît dans l'alcool, qui se plaît dans la drogue, une personne qui fait même pas ses salawat, il prie quand il veut, subhanallah, quelqu'un qui vit dans le shirk, celui-là, il vient demander la main de ta fille, tu fais quoi? Tu ne peux pas lui donner la main de ta fille. Si tu le fais, un Nabi dit, tu as trahi la umma et tu as contribué à répandre le désordre à la surface de la terre. Ça, ce n'est pas possible. Pourquoi? Parce que celui-là, il ne peut pas conduire, c'est-à-dire, il n'a rien, il n'a aucune qualité pour réussir un mariage. Il n'a aucune qualité pour permettre à une femme de s'attacher à Allah. Il n'a aucune qualité en lui pour qu'une femme puisse réussir dans sa relation avec Allah. Au contraire, tout ce qu'il a comme aptitude, c'est pour éloigner les gens d'Allah. Donc celui-là, lui, sa priorité, notre priorité, c'est d'abord de l'emmener à craindre Allah, de l'emmener à corriger son aqidah, de l'emmener à vivre comme Allah il veut. Au moins, à appliquer le minimum de principes dans notre dîn. Et puis, Inch'Allah, quand il aura ce minimum-là, on va se charger, Inch'Allah, de lui donner une femme. Mais sans ce minimum, nous, on ne peut pas lui donner une femme. Ce n'est pas possible. En le faisant, on a trahi An-Nabi alayhi salatu salam. Ce n'est pas qu'on est méchant avec lui. Hein. Au contraire, on est bienfaisant envers lui. Pourquoi? Parce que si on le marie dans cette condition, on va empirer sa situation. Parce que quand il est seul, s'il meurt, Allah le questionne pour lui seul. Mais en lui donnant une femme, Allah le questionnera pour son épouse. Quand il aura des enfants, Allah va le questionner pour ses enfants-là. Et s'il est incapable lui-même de corriger lui-même son aqidah, sa relation avec Allah, que lui-même il vit dans le désordre, dans le shirk, lorsqu'Allah va le questionner sur sa femme et ses enfants, il répondra quoi? Il dira quoi à Allah? On a aggravé sa situation. On a empiré sa situation. C'est-à-dire, on l'a enfoncé dans son haram. Il est lui-même égaré. On l'a aidé à égarer des gens et à détourner les gens d'Allah. Donc les savants disent, la meilleure manière d'aider une telle personne, c'est de faire en sorte déjà de corriger le minimum qui fera de lui un musulman et un croyant, une personne acceptée par Allah. Et puis ensuite, on va le permettre de se marier, Inch'Allah. Donc si tu sens que tu as ton fils, il vit dans le haram, il vit dans le shirk, prend que la drogue, il ne faut pas aller mentir sur son état d'esprit. Non, mon fils, il est musulman, moi-même je suis, moi-même je suis toujours à la mosquée. Mon fils là, il s'appelle Mohamed, ben il s'appelle Bamba, il s'appelle Youssouf. Moi-même, en tout cas, je suis toujours à la mosquée. C'est vraiment quelqu'un de bien. Non, 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 non. Et puis, le musulman, il te donne la main de sa fille, tu seras tenu pour responsable. Parce que tu as facilité le mariage à une personne qui n'était pas censée endosser la responsabilité du mariage. Et tout ce qui va suivre là, tu vas l'assumer. Non. Et Allah va te questionner sur cela. Voilà pourquoi les savants ils disent, il y a des gens pour qui le mariage même pour eux,
c'est même pas la peine d'engager la procédure. Hein? On ne trouve pas une femme pour n'importe qui. Quelqu'un vient, je vais me marier. Il y a beaucoup de choses à regarder d'abord. Quelqu'un qui vit déjà dans le shirk, il faut corriger déjà son aqida d'abord. Non. Quelqu'un qui ne fait même pas ses prières, aide-le déjà à corriger ses salawat. Quelqu'un qui vit que dans la fausseté, dans la drogue, aide-le déjà à corriger cette aptitude avant de lui trouver une femme. Parce que nous, on dit le plus souvent qu'on va trouver une femme et la femme va l'aider à changer. Non, 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 non. On se fout le doigt dans l'œil. Le plus souvent dans le mariage, c'est l'homme qui influence beaucoup plus la femme. Parce que la femme dans le mariage est censée être éduquée par l'homme. Non. La femme dans le mariage est censée être éduquée par l'homme. Parce que Nabi, il a dit, la femme de nature est faible. La femme de nature, elle est faible. Et l'homme est censé stabiliser son épouse. Et si l'homme, il est faible, et que lui-même, il ne peut même pas être stable, il vit que dans la fausseté, dans le haram, la femme, elle devient quoi quand elle se marie? C'est souvent très, 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 très difficile. Pratiquement impossible. Voilà pourquoi aujourd'hui, on voit des mariages où la fille est attachée à Allah, quand elle se marie, quelques temps après, qu'est-ce qui arrive? Elle se détache d'Allah. Souvent, elle met le hijab. Après le mariage, elle ne porte plus le hijab. Pourquoi? Parce que l'homme, il n'est pas attaché à Allah, Jalla wa Ala. On oublie que l'objectif fondamental du mariage, c'est de nous aider à réussir notre relation avec Allah. C'est ça l'objectif. L'objectif le plus important du mariage. Voilà pourquoi dans notre dîn, il y a ces quatre points-là qu'il faut vérifier. Maintenant, avec l'aide d'Allah, Jalla wa Ala, lorsque on va se pencher un tout petit peu sur ceux-là qui ont la possibilité de se marier, les bienfaits du mariage, l'importance du mariage, la valeur du mariage dans notre dîn. Vous savez, un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il nous a appris que non seulement le mariage, c'est une sunna, c'est pas vrai? Naam, c'est une sunna. Une sunna tellement importante. Mais en plus de cela, un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il nous a parlé des bienfaits du mariage. Naam, des bienfaits du mariage. Parmi les plus grands bienfaits du mariage, dont Nabi nous a évoqué, il y a ce hadith en or là. Le prophète, il dit sallallahu alayhi wa sallam, il dit, celui à qui Allah Jalla wa Ala a permis de comprendre le dîn, Allah lui a permis, mashallah, de l'adorer, de s'éloigner du shirk, de tout ce qui est détestable, et celui-là il crée Allah Jalla wa Ala. Un Nabi dit sallallahu alayhi wa sallam, il dit à celui-là, si Allah tabarak wa ta'ala lui a facilité le mariage, si Allah lui a facilité le mariage, le prophète il dit sallallahu alayhi wa sallam, il dit que celui-là il sache que Allah Jalla wa Ala vient de l'aider dans la moitié de sa foi. Allahu Akbar. Il dit Allah vient de l'aider dans sa moitié de la foi. Allahu Akbar. Ce petit mot-là, les savants ont donné beaucoup d'explications là-dessus. Ils disent que Nabi dit que le mariage représente quoi? La moitié de la foi. C'est pas vrai? La moitié de la foi. Vous savez, lorsqu'une chose a atteint la moitié, comment cette chose elle devient? Elle devient comment? Équilibrée. Elle devient stable, c'est vrai, non? Vous êtes d'accord avec moi? Hein? Ça c'est une bouteille. Si je prends cette bouteille par le bout, que je place comme ça, si je laisse, la bouteille tombe. Vous êtes d'accord avec moi? Par contre, si je mets ma main en bas, la bouteille tombe. Mais si j'attrape cette bouteille par le milieu, la bouteille reste stable. Elle est équilibrée. C'est vrai, non? Même si je bouge, elle est secouée un peu, mais elle reste quoi? Stable. Les ulama, ils disent, rahimahumullah, ils disent, lorsque le Nabi dit, sallallahu alayhi wa sallam, que le mariage représente la moitié de la foi, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le mariage est un formidable moyen pour que la foi du croyant soit stable. Est-ce que tout le monde me suit? Pour que la foi du croyant soit comment? Stable. Allahu Akbar. Quand tu n'es pas marié, il y a une instabilité constante. Ibn al-Qayyim rahimahullah, il expliquait cela par des expressions claires. Il dit, l'âme en lui-même a des désirs. Il dit, le corps en lui-même a des besoins. Pour ne pas aller loin, parmi les besoins du corps, il y a manger, il y a dormir,
Il y a faire les besoins. Uriner ou déféquer, ce sont les besoins du corps. Manger, c'est un besoin du corps. Lorsqu'une personne ne mange pas et que cette personne a faim, que cette personne est affamée, il ne mange pas pendant un jour, deux jours, trois jours, quatre jours, qu'est-ce qui arrive? Il devient faible. Il a le vertige. C'est vrai, non? Même si tu lui demandes d'adorer Allah, il peut adorer Allah, mais il est faible. Il n'a même plus la force de faire la prière correctement. Pourquoi? Parce que il a privé le corps d'un besoin. Et le fait de priver le corps d'un besoin qui lui est indispensable, ça fait que le corps est déséquilibré. Le corps devient faible. Et quand le corps est faible, que le corps est déséquilibré, le corps refuse de soutenir l'âme pour que l'âme atteigne sa stabilité. Parce que tout le monde me suit. Le corps ne devient plus un allié de l'âme quand le corps est déséquilibré. Quand le corps est déséquilibré, le corps devient un ennemi de l'âme. L'âme lui dit d'aller dans telle direction, mais lui veut aller dans l'autre direction. À partir de ce moment-là, le corps ne te soutient plus, ne t'aide plus à t'attacher à Allah. Mais le corps va t'éloigner d'Allah, tabaraka wa ta'ala, parce que tu l'as privé de son besoin, d'un besoin qu'il a. C'est comme quelqu'un qui a envie d'uriner. Et puis il se contient dans l'urine. Il n'urine pas. Il est l'heure de la salat. L'imam dit Allahu Akbar, lui il rentre dans la prière. Une minute, deux minutes, l'imam il prend une salat, l'imam il est en plein dans sa salat. Et il sent qu'il a envie d'uriner. À un moment donné, qu'est-ce qui arrive? Le besoin est tellement pressant, il ne pense plus à la prière, il ne médite même plus sur le Coran. Son seul souci, c'est comment se contenir pour satisfaire ce désir-là. La prière devient longue à ses yeux. Il est pressé pour que la prière se termine, pour aller satisfaire ce désir-là. C'est le corps qui lui impose ça. Pour finir, son âme ne peut plus avoir une stabilité dans la soie-là. Pourquoi? Parce que son corps a été privé d'un besoin. Est-ce que tout le monde me suit? C'est pareil pour le sommeil. Quand une personne a tellement sommeil, même si tu lui dis, lève-toi pour faire la salat, qiyamul layl, qu'est-ce qui arrive? Il dit, Allahu Akbar, mais tu n'as pas fait attention, il dort dans la salat. Ça arrive souvent. Donc on connaît ce hadith. Lorsque Fatima, radiyallahu ta'ala anha, elle faisait constamment le qiyamul layl. On dit, elle va attacher une corde. Elle prie, elle prie, elle prie. Quand elle a sommeil, pour ne pas dormir, elle attrape la corde, pour tenir debout. Et ensuite, elle prie, elle prie. Quand Nabi a vu, quand il a vu la corde, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, c'est quoi cette corde? Il dit, ya Nabi Allah, je me sers de ça dans mes prières de la nuit quand je sens que je suis fatigué. Et j'attrape pour ne pas tomber, pour que la prière dure. Le prophète, il lui a dit, alayhi salatu salam, il dit, Fatima, radiyallahu ta'ala anha, il dit, détache cette corde. Quand tu sens que tu es fatigué, que tu as sommeil, il dit, ne force pas, va te reposer, donne les droits de ton corps. Ça, c'est pour les prières qui ne sont pas obligatoires. Je n'ai pas dit, Oustaz a dit, si on est fatigué, d'aller dormir. Non, il est 13h, je vais aller dormir d'abord. Je m'élève à 15h, 16h pour faire la salat. C'est pas ce que j'ai dit. Pour les prières qui ne sont pas obligatoires. Comme la prière, comme le qiyamul layl. Nabi, il dit, va te reposer. Et quand tu te sens bien, tu viens faire la salat. Elle a dit, pourquoi y a Nabi Allah alayhi salatu salam? Nabi a dit quoi? Il dit, parce qu'il se pourrait que, au lieu de faire doa pour toi-même, tu te maudisses toi-même. C'est-à-dire, si tu as sommeil là, les invocations que tu es en train de dire là, souvent tu mélanges tout. Tu ne sais plus ce que tu dis. Et au lieu de faire doa pour toi-même à cause du sommeil, tu es capable de dire une parole, les gens diront Amin, ça retournera contre toi-même. Donc l'idéal, va te reposer. Quand tu as les esprits tranquilles, tu viens faire la salat. Voilà pourquoi il y a une sunna aujourd'hui qu'on a abandonnée. C'est une sunna très importante. À l'époque de Nabi alayhi salatu salam, salatu zuhur, la prière de zuhur, dépendait de la fraîcheur du temps, la chaleur. Il y a même un hadith dessus. Où Nabi dit, quand le soleil a la canicule, c'est-à-dire le soleil, il fait chaud. Nabi a dit quoi? Il dit, retardez un peu la prière de zuhur. C'est un hadith sahih. Quand il fait très chaud, cela m'a recommandé de faire quoi? De décaler un peu l'heure de salatu zuhur. Pourquoi? Parce que quand il fait très chaud, le corps même ne peut pas se concentrer dans la prière. Le corps a tellement chaud
que le corps veut se débarrasser de la salat pour prendre une bouffée d'air. Et les sahaba, ils disaient, radiyallahu ta'ala anhum, que lorsqu'il faisait très chaud, Al-Nabi alayhi salatu salam, il attendait un peu. Quand le soleil s'adoucissait un peu, il faisait la salat. Mais toujours dans le temps. On n'a pas dit d'attendre jusqu'à 15h30 pour faire salat tous. Souvent vers midi 45, 50 ou 13h pile, sur ce qui fait très chaud, les savants disent, on peut décaler un peu. Ça, c'est la sunna. Mais nous, aujourd'hui, on n'applique plus cette sunna. Même si on va cuire, on va faire la salat. C'est vrai ou c'est faux? Non. Donc, vous voyez que dans la sunna de Nabi alayhi salatu salam, ce qu'on comprend, c'est quoi? Lorsqu'on donne les droits du corps, le corps est plus stable. Et si le corps, il est stable, le corps devient un soutien pour l'âme. Mais lorsque le corps n'est pas stable, le corps veut satisfaire ce besoin et il devient un ennemi pour l'âme. Est-ce que tout le monde me suit? Lorsqu'un jeune n'est pas marié, à un certain âge, il sent le besoin de satisfaire des désirs sexuels. Il commence à penser à des femmes. Il commence à ne plus baisser le regard. Il commence à avoir des images de certaines femmes dans la tête. Il commence à avoir des pensées qu'il n'avait pas avant. Il commence même à rêver à des femmes. Il commence à faire des choses qu'il ne faisait pas avant. Et il commence à sentir lui-même le besoin. S'il ne comble pas ce besoin, Ibn Qayyim rahimahullah, il dit, ce besoin-là, c'est comme le besoin de manger et de boire. Ça ne va pas diminuer. Ce n'est pas qu'on s'habitue. Ça va s'empirer. Et à un moment donné, quand il va sentir que ce besoin-là a diminué, en fait, il n'a pas diminué. C'est ton corps qui est devenu faible. Mais le besoin, il est toujours présent. C'est comme quelqu'un qui a faim. Il a tellement faim qu'il devient faible. Il n'a plus la force de résister. Il ne peut même plus marcher. En réalité, quand tu sens ce désir-là du corps, les savants ils disent, si tu n'as pas comblé ce besoin dans le halal, si Allah ne t'a pas aidé, tu vas le combler dans le haram. Ça, et là, c'est là où le shaitan nous prend, la'natullahu ta'ala alayhi, très souvent. Pourquoi? Je vous raconte cette histoire-là. Abu Al-Fidda Ismail ibn Umar ibn Kathir, il a raconté un peu cette histoire pour soutenir un peu le tafsir. Lorsque le shaitan, il a fait la promesse à Allah d'égarer le Banu Adam. Il est dit dans cette histoire, Ibn Kathir, il relate ce récit-là. Il dit, lorsqu'Allah a créé notre père Adam, lorsqu'Allah l'a sculpté, avant qu'Allah ne souffle l'âme, Allah l'a maintenu debout au Jannat. Et le shaitan l'a vu, tel qu'Ibn Kathir relate le récit. Le shaitan est venu, il a vu qu'Allah a fini de le sculpter, tel qu'Allah l'a dit. Mais Allah n'avait pas encore insufflé l'âme. Le shaitan, la'anatullahu ta'ala alayhi, il a commencé à tourner autour de notre père Adam alayhi salatu salam. Et il a remarqué qu'il y a un endroit du corps de notre père Adam alayhi salatu salam qui était un peu rebondi, le ventre. Le ventre. Alors on dit, il a pris son doigt, il a tapé un peu. Il a vu que ça faisait un bruit. Il y avait un vide, comme s'il y avait un vide à l'intérieur, un creux. Quand il a tapé, il a senti que quand il tape là, ça ne fait pas le même bruit que les autres endroits. Alors automatiquement, il a compris. Il dit, un homme qui a un creux, qui a un vide, si Allah a mis ce vide-là, c'est que ce vide-là doit être comblé. Donc il aura un besoin. Et une créature qui a besoin de combler, qui a des besoins à combler, il dit, c'est une créature que je pourrais égarer facilement. Ça veut dire quoi? Il a compris tout de suite que tant qu'il aura un besoin à combler, ce sera facile. Il suffit seulement de l'emmener à combler ce besoin-là dans le haram. Et il sera perdant. Donc les savants disent qu'il a compris tout de suite que lorsque l'homme a un besoin à combler, s'il n'est pas, c'est-à-dire ne comble pas ce besoin comme Allah le lui a demandé, il devient très facilement l'esclave de Shaytan, la'anatullahu ta'ala alayhi. Très facilement. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes qui ont ce besoin à combler. Il ne faut pas qu'on se mente. Si tu sens que tu ne peux pas baisser le regard, c'est que tu as ce besoin à combler. Ça, c'est clair. Tu ne peux pas baisser le regard. Tu ne peux pas baisser la tête quand tu vois une belle femme. Il faut que tu regardes pour voir sa beauté, pour voir ses formes. Si tu sens dans ton cœur le besoin de regarder les rondeurs d'une femme ou bien de dévisager une femme,
Les savants disent, elle est en train de te montrer que le mariage est pour toi indispensable. Faut que tu te maries. Parce que tant que tu ne vas pas te marier, ce besoin-là, il sera difficile. Vous allez me dire, mais tu peux te marier, puis le besoin reste, non? Oui, tu peux te marier, et puis le besoin reste. Vous allez, Massoud, il a donné le conseil. Qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, celui qui se marie, qui est marié, et il sort de chez lui, et puis il voit une femme qui est belle dehors. C'est pas moi qui l'ai dit, hein? C'est Abdallah ibn Massoud, radiyallahu ta'ala. Celui qui est marié, il sort, il voit une femme qui est très belle, ou une femme qui a fait naître en lui des émotions, des sentiments, un désir. Abdallah ibn Massoud, radiyallahu ta'ala, il dit, celui-là, qui ne se pose pas de questions, qui ne réfléchisse pas deux fois, qu'il fasse demi-tour, qu'il retourne chez lui à la maison et qu'il dispose de sa femme comme bon lui semble. Qu'il ait des rapports charnels avec son épouse. C'est ce qu'Ibn Masoud a dit. Il dit, lorsqu'il finira de satisfaire ce désir avec sa femme, il dit, quand il va sortir, même si la même femme est devant lui, il va sentir que son cœur n'a plus cette même faiblesse. Et il va continuer son chemin. Ça veut dire quoi? Le mariage, c'est un formidable moyen pour pouvoir se contenir, pour se maîtriser, pour maîtriser ses pulsions. Non. Voilà pourquoi les ulama ils disent, parmi les causes qui feront que la fornication va se répandre à la surface de la terre, c'est lorsque les jeunes ou la jeunesse va s'éloigner de plus en plus du mariage. Ou bien on va éloigner les jeunes de plus en plus du mariage. Et on fait le constat aujourd'hui. Quand un jeune veut se marier, qu'est-ce qu'on dit? On dit, il est trop jeune, il n'est pas encore arrivé. Moi, je n'arrive pas à comprendre. Et les filles de 16 ans, qu'elles sont trop jeunes. Elle est trop jeune. 17 ans, elle est trop jeune. Ne regardez pas l'âge. Regardez l'état d'esprit de la personne. Ce n'est pas une question d'âge. C'est une question d'état d'esprit. Et des filles de 16 ans, elle n'est pas mariée, mais elle vit comme des gens mariés. Elle a son petit copain. Les mêmes choses que les mariés font la nuit, les deux font la même chose. Sauf qu'ils le font dans le haram. Et des filles de 16 ans, elles ne se voient pas. Et des filles même, vous allez voir même. Il y a des filles à cet âge-là, quand la femme a 16 ans, 17 ans, le plus souvent, elle ne veut pas dire qu'elle a 16 ans. Elle fera toujours plus 2 ans sur son âge, ou plus 3 ans. Quand tu dis, tu as quel âge? Si elle a 16 ans, elle te dit, j'ai 18 ans ou 19 ans. Parce que dans sa tête, elle se voit déjà comme une personne mature, une personne grande. Et si elle te dit qu'elle a 16 ans, tu vas la considérer comme une personne qui est petite. Et à cet âge-là, elle monte le plus souvent sur leur âge. Elle va te dire, moi j'en ai 18 ou 19. Souvent même, à cet âge-là, elle a honte de dire qu'elle a 16 ans. Mais quand la femme commence à dépasser un certain âge, elle a honte de donner son âge. Et ça non? Après 40 ans, 50 ans, souvent, il y a la sagesse, elle dit. Mais après 40 ans, souvent, elle va dire, elle préfère dire qu'elle a 30 ans. Elle est dans la trentaine parce qu'elle s'est dit à cet âge, difficile d'avoir un mari. Mais à 16 ans, elle-même dans sa tête, elle ne se considère pas toujours comme une personne qui en a 16. Donc ce qui est dit ici, c'est quoi? C'est l'état d'esprit de la personne. Ce n'est pas seulement l'âge. Si vous fiez seulement à l'âge, on a vu des filles de 16 ans qui ont contracté des grossesses ici. On a vu des filles de 16 ans qui sont faites enceintes, engrossées par des jeunes de 17 ans, 18 ans, 19 ans. Maintenant, on fait quoi? Elle n'a pas l'âge de se marier, mais elle a l'âge de faire des enfants. C'est ça? Elle n'a pas l'âge de se marier, mais elle a l'âge de faire des enfants. Si elle n'a pas l'âge de se marier, mais elle doit s'occuper d'un enfant. Allahu Akbar. On est dans quel contexte? Et qu'Allah nous aide. Voilà pourquoi l'objectif, ce n'est pas de regarder l'âge de la personne, mais l'état d'esprit. Il y a des personnes qui... Il y a des femmes même qui ont plus de 20 ans, hein, mais dans la tête, elles ne sont pas matures. Il ne faut pas qu'on se mente. Dans la tête, elles se comportent comme des gamines de 14 ans, 15 ans ou 16 ans. Et il y a même des filles qui ont 17 ans, 18 ans, mais dans la tête, il y a une certaine maturité. Et l'islam nous demande de regarder quoi? La maturité. Et dans un hadith, même Nabi, il nous demande de regarder la maturité à partir de quel moment? Il n'a pas demandé de regarder l'âge, il a dit à partir de quel moment? À partir des premières menstruations. C'est ce que Nabi a dit, alayhi salatu salam. Dès que la femme a vu ses premières menstruations, commence déjà à te mettre en tête qu'elle n'est plus une enfant.
elle est en train d'atteindre une certaine maturité. Commence déjà à te préparer et à la préparer au mariage à cela et à discuter avec elle. Parce que souvent, tu la vois comme une petite fille, mais elle, dans sa tête, elle se voit déjà comme une femme qui est beaucoup plus âgée. Voilà pourquoi Nabi alayhi salatu salam dans la sunna, il nous demande, Wallahi la ravim, dès qu'Allah nous donne la possibilité, il faut qu'on fasse l'effort d'aller dans la direction du mariage. Parmi encore les bienfaits du mariage, en plus du fait que le mariage nous permet de nous contenir physiquement, parmi les bienfaits du mariage, Nabi alayhi salatu salam, il dit, en plus de te stabiliser dans le iman, en plus de te permettre de te contenir physiquement, le prophète il dit sallallahu alayhi wa sallam wa afdalu salat wa atamu taslim. Dans ce hadith il dit, il y a trois choses qui créent le bonheur dans la vie d'un homme et il y a trois choses qui créent le malheur dans la vie d'un homme. Il dit, les trois choses qui créent le bonheur dans la vie d'un homme, il dit, la première des choses, il dit, une femme pieuse, quelqu'un qui est marié à une femme pieuse, une femme qui crée Allah, une femme qui aime Allah, une femme qui valorise Allah. An-Nabi dit, si tu es marié à une femme pieuse, il dit, Allah, il t'a donné une source de bonheur. Fait dunya wal akhirah. Naam. An-Nabi dit, deuxièmement, il dit, parmi les choses qui sont source de gaieté, qui permet au cœur d'être détendu, d'être à l'aise, d'être heureux, il dit, il y a le fait d'avoir une demeure spacieuse. Ça, c'est une sunna. C'est une sunna. C'est pas forcément l'amour de la dunya. C'est une sunna. Naam. Tu as la possibilité d'avoir une demeure spacieuse. An-Nabi dit, ça contribue à quoi? Au bien-être de l'homme. Naam. Tu as une demeure spacieuse, une maison spacieuse. An-Nabi dit, vous ne vous rendez pas compte, mais souvent ça dégage. Effectivement, ça se vérifie. Plus souvent on est dans les endroits restreints, plus souvent le cœur se resserre. Plus on est dans un endroit dégagé, plus le cœur, il est détendu. Naam. Et An-Nabi dit, troisièmement, il dit, une monture rapide. Une monture, ça, la monture à son époque, c'était les chameaux. Hein, un moyen de déplacement. Et de nos jours, le moyen de déplacement, c'est une voiture. Donc ça, ça n'a rien à voir avec l'amour de la dunya. C'est une nécessité. Et Nabi lui-même, il dit que ça permet de dégager le cœur, que le cœur soit heureux. Donc c'est normal. Sauf qu'on ne doit pas s'attacher à ça, à telle enseigne que l'amour de la chose fait qu'on est prêt à avoir ça à tous les prix, même à désobéir à Allah. Mais Nabi dit, c'est normal pour une personne d'avoir une demeure spacieuse, un moyen de déplacement rapide. Parce que pourquoi Nabi a insisté sur un moyen de déplacement rapide? Les savants disent, un bon moyen de déplacement. Quand le moyen de déplacement n'est pas rapide, quand il est lent, il te fait perdre le temps. Alors le temps du croyant, il est précieux. Mais quand tu as un bon moyen de déplacement, tu profites du temps. Et celui qui profite de son temps, il arrive très facilement à préparer sa relation avec Allah. Et celui qui perd son temps, ou bien qui n'arrive pas à profiter de son temps, la perte de temps est pire que la mort. Et c'est une partie de toi qui s'envole et tu ne pourras pas le rattraper. Parce que tout le monde le suit. Et Nabi dit ces trois choses contribuent à quoi? Au bonheur de l'homme. Il a commencé par quoi? La femme pieuse. La femme pieuse. Je sais qu'il est l'heure. Hein? Donnez-moi 10 minutes. Il a commencé par la femme pieuse. Je vais parler un tout petit peu sur le choix. Il faut qu'on parle de ça. Certes, on parle d'importance de mariage. Mais le choix, comment choisir son épouse? Comment faire le bon choix? Parce que Nabi a insisté, il a dit quoi? La femme pieuse. La bonne femme. Le but n'est pas juste de se marier. Le but est de d'avoir la bonne femme. Nabi a insisté sur ça. La femme pieuse, la bonne femme. Si tu n'as pas une bonne épouse, Nabi dit, parmi les trois choses qui créent le malheur dans la vie d'une personne, la première des choses qu'il a citées, il dit quoi? Une mauvaise épouse. C'est ce qu'il a dit, alayhi salatu salam. Une mauvaise épouse. Une mauvaise femme. Tu as une mauvaise épouse, une femme qui ne crée pas Allah. Allahu Akbar. Tu as tout perdu. Tu as tout perdu. Allahu Akbar. C'est quoi la bonne épouse? Quel moment on dit d'une femme que c'est une bonne femme? La première qualité que Nabi a citée de la bonne épouse, c'est quoi? Son attachement à qui? Allah. Son attachement envers qui? Allah. Un Nabi dit, marie une femme qui crée Allah. On ne met pas la priorité sur la beauté dans notre religion. Naam.
On met la priorité sur quoi? La crainte d'Allah. Une femme qui craint Allah. Et je le dis, peut-être que ça peut choquer, mais c'est une réalité. Il y a un minimum de choses, de qualités qu'une femme doit avoir. Ça, c'est le minimum. Le minimum. Ce minimum-là, si une femme était capable de l'accomplir, ah, faut te méfier de ce genre de femme. Ce minimum-là, qu'est-ce que c'est? Dans notre dunya d'aujourd'hui, le hijab. J'ai dit quoi? Le hijab. Vous allez dire, c'est juste l'apparence. C'est vrai, non? C'est juste l'apparence. Le plus important, c'est son cœur. Elle est gentille, respecte les parents. Tout ça, là, c'est pas important. Le hijab pour la femme. Vous trouvez que c'est juste l'apparence. Mais c'est tellement important. Pourquoi? Parce que le fait de porter le hijab, une femme qui porte le hijab, c'est une femme qui aime se couvrir. C'est vrai ou c'est faux? Une femme qui aime se couvrir, c'est une femme qui a de la pudeur. C'est ce que ça veut dire. Une femme qui a honte de découvrir certaines parties de son corps. C'est une femme qui a de la pudeur. C'est une femme qui a honte du regard d'Allah, Jalla wa Ala. Et une femme qui a de la pudeur, une femme qui a honte du regard d'Allah, c'est une femme, wallah il radim, qui aura de la pudeur vis-à-vis de son mari. Ne doutez même pas de cela. Et une femme qui a honte du regard d'Allah, c'est un formidable moyen pour l'aider à s'attacher à Allah. Mais une femme qui est capable de se découvrir sans gêne, ça veut dire qu'elle n'a pas de pudeur, elle n'a pas honte du regard d'Allah. Une femme qui n'a pas honte du regard d'Allah sur sa personne, si elle n'a pas honte d'Allah, de désobéir à Allah, si elle n'a pas honte du regard d'Allah sur sa personne, toi tu es qui en tant que créature pour qu'elle ait honte de toi? Hein? Subhanallah. Les ulama ils disent, Allah la nourrit, Allah lui donne la santé, Allah lui a donné un père et une mère, Allah fait que Allah lui a donné la beauté, Allah a fait d'elle une femme musulmane. Allah lui a demandé une seule chose: couvre-toi, porte juste le hijab. Elle a été incapable de porter le hijab qu'Allah lui a demandé de porter. Avec tout ce qu'Allah il a fait pour elle, elle dit qu'elle ne peut pas porter le hijab pour Allah. Et toi tu dis que lorsque toi tu vas la marier, elle va le porter pour toi. Allahu Akbar. Hein? Non. Elle fait semblant de porter le hijab, mais en réalité elle ne le porte pas. Voilà, elle ne le porte pas. Elle ne le porte pas. Moi je le dis ouvertement, elle ne le porte pas. Une femme qui met le hijab, qui n'a pas honte de s'exhiber dehors, qui se maquille, qui sort pour qu'on dise qu'elle est belle, elle n'a pas porté le hijab. Même si elle est habillée en noir, de la tête aux pieds, mais si son souci c'est d'attirer le regard des gens sur elle, elle n'a pas porté le hijab. Parce que parmi les principes de base du hijab, ce qui doit mener une femme à porter le hijab, c'est la pudeur. La pudeur. La honte, la gêne. Ce sentiment de gêne ne peut pas s'installer dans le cœur. Et puis tu aimes que les gens te dévisagent, ce n'est pas possible. Si tu n'as pas de la pudeur, tu n'as pas cette honte-là dans le cœur, que tu portes le hijab, c'est que tu le portes pour que les gens disent que tu as porté le hijab. Il faut qu'on se dise la vérité. Et peut-être que vous trouvez que ce n'est pas important, mais une femme qui a été ingrate vis-à-vis d'Allah, elle serait ingrate vis-à-vis de toi. C'est juste une question de temps, il ne faut pas te presser. Allah a tout fait pour elle. Allah lui dit, porte le hijab, elle dit, je ne peux pas porter, je m'habille comme je veux. Tu vas la mettre chez toi, tu vas tout faire pour elle, et je vois, elle te sortira au visage, tu n'as jamais rien fait pour moi. J'ai jamais rien obtenu avec toi. Rien. Faut pas que ça t'étonne. Une femme qui est incapable d'être reconnaissante vis-à-vis d'Allah ne sera jamais reconnaissante vis-à-vis de toi. Ça, il faut qu'on l'accepte. Voilà pourquoi avant d'épouser une femme, il faut veiller à cela, sa relation avec Allah. La meilleure manière de... On ne peut pas rentrer dans le cœur d'une personne. La meilleure manière de savoir est-ce qu'elle crée Allah, regardez les choses qui ont de la valeur aux yeux d'Allah là. Est-ce qu'elle est prête à accepter ces choses? Tout ce qui a de la valeur aux yeux d'Allah, est-ce que ces choses ont de la valeur à ses yeux? C'est ça la question qu'on doit se poser. Le hijab a de la valeur aux yeux d'Allah. Est-ce qu'elle a valorisé le hijab? La salat a de la valeur aux yeux d'Allah.
Est-ce qu'elle a valorisé la salat? Le Coran a de la valeur aux yeux d'Allah. Est-ce qu'elle a valorisé le Coran? Si vous vous rendez compte que tout ce qui a de la valeur aux yeux d'Allah, elle a valorisé ces choses. Elle porte le hijab. Elle fait doa pour mourir avec le hijab. Elle a valorisé le Coran. Elle crie Allah Jalla wa'ala. Tout ce qui a de la valeur aux yeux d'Allah, elle a valorisé ces choses. Et elle veut aller dans la direction qu'Allah y veut. Alors les savants disent, Allah il te donne des signes que cette femme, elle a un minimum de taqwa. Mais tout ce qui a de la valeur aux yeux d'Allah, elle dit j'ai tout le temps pour ça. On va voir ça après le mariage. Hein? Fais attention, ya Abdallah. C'est une ruse. On va voir ça. Quand je vais me marier là, c'est moi qui te dis non. Quand je vais me marier là, je vais me voiler. Allahu Akbar. C'est moi qui te dis, quand je vais me marier là, je ne vais plus porter le mèche, je ne vais plus sortir comme ça. Elle est en train de te mettre le doigt dans l'œil. Elle est en train de te mentir à toi-même. Voilà. Parce que si elle est incapable de le faire pour Allah, elle ne sera pas capable de le faire pour toi. Ça, c'est clair. Avant le mariage, si elle le fait, elle le fera pour Allah. Mais après le mariage, elle le fera pour toi. Deuxièmement, si elle ne l'a pas fait pour Allah et qu'elle a fait pour toi dans le mariage, Allah ne va pas la soutenir dans cette action. Elle va commencer un moment, elle n'aura plus la force de le faire, elle va le laisser en cours de chemin. Pas si vous comprenez ce que j'explique. Une femme te dit, je vais le faire dans le mariage. Avant là, je ne peux pas. C'est dans le mariage que j'ai porté le hijab. Ça veut dire qu'elle ne le fait plus pour Allah, elle le fait pour toi. Et si elle décide de le faire pour toi, elle peut le porter, hein? Elle peut le porter. Mais du fait qu'elle ne le fait plus pour Allah, elle le fait pour toi là. Allah ne la soutient pas. Et lorsqu'Allah ne nous soutient pas dans une action, l'action n'est plus constante. On ne peut pas durer dedans. C'est juste un moment. À un moment donné, elle claque la porte. Elle trouve qu'elle a trop fait, trop c'est trop. Et puis elle arrête. En réalité, elle n'a jamais rien fait pour Allah. Elle le faisait juste pour toi. Et ce qu'on ne fait pas pour Allah ne dure jamais. Et on n'a aucun mérite, ce n'est pas constant. Tôt ou tard, ça tombera à l'eau. Voilà pourquoi une femme qui vous dit j'aurai telle qualité après le mariage, ne jugez pas sur ça. C'est avant le mariage qu'elle doit avoir ce comportement. Pas après. Pas après, c'est avant. Si tu sens qu'avant le mariage, elle n'est pas attachée au Coran, elle n'est pas attachée à la salah, ce n'est pas dans le mariage qu'elle va le faire. Ça, il ne faut pas qu'on se mente. Parce qu'à n'importe quel moment, elle peut mourir. Elle peut mourir avant le mariage. Si elle n'est pas attachée à la salah avant le mariage, ce n'est pas dans le mariage qu'elle va s'attacher à la salah. Il ne faut pas qu'on se mente. Nous, aujourd'hui, on juge beaucoup sur ça. Donc, je sais qu'elle va changer, elle a envie de changer. Allah Akbar. Et puis après, on dit, tu m'as trahi. C'est ça, non? Ouais, tu m'as trahi, c'est une trahison. Non, ce n'est pas une trahison. Un Nabi dit, épouse une femme pieuse. La piété, c'est d'abord la crainte d'Allah. Celui qui crée Allah, il valorise tout ce qui a de la valeur aux yeux d'Allah. Ce qu'Allah n'aime pas, Allah, il laisse. Il n'a pas besoin de mariage pour délaisser le haram. Mais celui qui ne crée pas Allah, il prend ça comme un bouc émissaire. Si je me marie, je vais faire ceci. Ne rentrez pas dans ce débat. Choisissez des femmes qui craignent Allah, tabaraka ta'ala. Choisissez des femmes qui craignent Allah, jalla wa ala. Si vous ne choisissez pas des femmes qui craignent Allah, que vous prenez une femme juste pour sa beauté, pour ce qu'elle, pour ses rondeurs, juste pour ce qu'elle représente, je vous dis une chose. Les enfants que vous allez avoir là, le plus souvent, le premier pilier d'éducation d'un enfant, c'est sa mère. Et les ulamas partent même jusqu'à dire, Allahu Akbar, Allah nous aide. Hein? Les ulamas ils disent que l'éducation d'un enfant ne commence même pas après sa naissance. On dit l'éducation d'un enfant commence depuis le moment où il est dans le ventre de sa mère. Ça veut dire quoi? Le comportement d'une femme qui porte un enfant, son comportement dans son état de grossesse là, a un impact sur l'enfant. Une femme qui aime regarder la télévision, qui aime écouter la musique, d'accord? L'enfant qui est dans le ventre là, faudrait pas que ça vous étonne que votre enfant naît au bout de quelques mois, quand il y a la musique, l'enfant il est bien. À d'autres enfants, mais quand il fait blou 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 blou, il y a des bruits à côté, tout de suite il dort. C'est ça non? Il est heureux. Non, nous ne soyez pas étonnés. Parce qu'on a vu des femmes qui lisaient beaucoup le Coran dans leur grossesse. Et après l'accouchement,
quand l'enfant entend une lecture du Coran, l'enfant il s'éteint, il pleure plus. On a connu des sœurs comme ça. Wallah il a raté. Et même la science a démontré que le comportement de la femme, au moment où elle est enceinte là, ça a un impact sur l'enfant qui est dans le ventre. Allahu Akbar. Donc une femme qui ne craint pas Allah depuis la grossesse, c'est déjà foutu d'avance. Ça, il ne faut pas qu'on se mente. Parce que tout ce qu'Allah déteste là, c'est ce qu'elle va faire. Ça, c'est clair. Toutes les limites qu'Allah lui a demandé de ne pas dépasser, elle va dépasser ses limites. Et les savants partent encore plus loin. Ils disent qu'une femme qui ne craint pas Allah, elle désobéit à son mari. C'est vrai ou c'est faux? Le hadith de Nabi alayhi salatu salam, qu'est-ce qu'il dit? Il dit une femme qui désobéit à son mari, qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui arrive? Les anges font quoi? Ils la maudissent. Les anges, ils la maudissent. Une femme qui désobéit à son mari, les anges, ils la maudissent. Imagine que toi, ta femme, elle est enceinte. Elle vit dans le haram et elle te désobéit. Si les anges, ils font droit contre elle, ton enfant qui naît là, il naît dans quelle disposition? Hein? Dans quelle disposition? Les ulama partent même jusqu'à dire, écoutez bien l'exemple que je donne, même dans la manière d'allaiter un enfant, ça a un impact sur son éducation. Ils disent pourquoi? Ils disent une femme, vous partez chez les Arabes, chez nous on voit ça beaucoup, partez chez les Arabes, une femme arabe veut allaiter son enfant. Elle est dans un endroit où il n'y a que des femmes. Hein? Il n'y a que des femmes. L'enfant, il veut téter. Il pleure. Elle veut l'allaiter. Elle demande la permission. Elle se lève. Elle cherche un endroit où elle est seule. Elle va s'asseoir là. Elle enlève les seins. Et puis elle donne la tétée à l'enfant à l'abri du regard, même des femmes. Hein? Le simple fait d'allaiter l'enfant devant les femmes, c'est-à-dire enlever pour donner là, c'est son génie. Elle se déplace pour allaiter l'enfant à l'abri du regard. Mais chez nous ici, même dans un taxi, femme, il n'y a pas de souci. On enlève les seins et puis elle donne la tétée à l'enfant. Peu importe, si on met un hijab, ce n'est pas son problème. Elle donne la tétée à l'enfant. Allahu Akbar. Hein? Qui a dit que parce que tu dois allaiter un enfant, tu dois exposer ta poitrine à tout le monde. Subhanallah. Juste pour ça. Une femme qui montre une seule partie de son corps qu'elle n'est pas censée montrer, les anges, ils font quoi? Les anges, ils font quoi? Hein? Bon. Pendant que toi, tu es en train de donner à téter à l'enfant, ta poitrine, elle est dehors. Il y a des gens qui ne sont même pas censés voir tes seins, qui voient ta poitrine. Pendant qu'une femme découvre une partie de son corps qu'elle n'est pas censée montrer, on dit les anges te maudissent pour ça. L'enfant il est en train de téter, les anges ils sont en train de te maudire. Ça crée quoi? Hein? Ça crée quoi comme situation? Voilà pourquoi les ulama ils disent qu'en réalité, quand Nabi nous dit d'épouser une femme pieuse, en fait tout ça, ça impacte sur le comportement de l'enfant. Tout ça, ça impacte sur le comportement de l'enfant. Qu'on le veuille oui ou non. Même les habitudes de la mère. Une maman qui a l'habitude de porter le hijab, la fille va aimer le hijab. Une maman qui passe son temps devant une novelas, depuis elle est enceinte, toi tu es au travail, elle a accouché, c'est novelas. L'enfant a 1 an, 2 ans, c'est novelas. C'est les clips, c'est la musique. Ton enfant apprend quoi? Si ce n'est pas l'amour de novelas, des DJ ou l'amour de la musique, l'enfant il apprend quoi? Allahu Akbar. Si ton enfant, il a grandi avec un certain type de désir dans le cœur et qu'il est attaché à la musique, au haram, il devient quoi demain? C'est une grande perte. Wallah, c'est une grande perte. Si toi, tu meurs aujourd'hui, c'est une grande perte. Cet enfant-là, il devient quoi? Il devient quoi? Allah Akbar. C'est une grande perte. Voilà pourquoi aujourd'hui, il faut songer à ça. Je finis par ce conseil. Quand vous faites le choix de vos épouses, là, quand vous choisissez votre femme, ne soyez pas égoïste, j'insiste dessus. Ne soyez pas égoïste dans le choix de votre femme. Ça veut dire quoi? Ne pensez pas qu'à vous. Je l'ai vue, elle est belle. C'est pas vrai? D'après vous-même, que quand il y a un incendie, n'importe quel type d'eau peut éteindre l'incendie. Même l'eau sale, l'eau savonneuse, pourvu qu'on éteigne le feu.
En islam, on n'éteint pas le feu avec n'importe quel type d'eau. Mm-hmm. C'est bon? Puisque vous dites non, n'importe quel, le but, c'est, même si c'est de l'eau sale et versée dessus, il n'y a pas de souci. Le but, c'est d'éteindre l'incendie. Non, 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 c'est pas comme ça. Ne soyez pas égoïste. Ne pensez pas qu'à vous. Ne pensez pas qu'à vous. Dans le choix de votre mari ou dans le choix de votre épouse, ne pensez pas qu'à vous. J'ai vu, elle est belle. Elle a de belles rondeurs. Alors moi, je sais que moi, vraiment, je suis un homme à femme. Si j'ai une femme comme ça chez moi, là, hein, je sais que, mashallah, en tout cas, je serai heureux. C'est une belle femme. Je ne pense qu'au sentiment que j'ai pour elle. Et je l'épouse. J'ai été égoïste. Pourquoi? Je n'ai pensé qu'à moi. Je n'ai pas pensé à mes enfants. En épousant cette femme, j'ai épousé une femme qui pourra satisfaire moi mes désirs. C'est ce que ça veut dire, non? J'ai épousé une femme qui pourra satisfaire mes désirs charnels, mes désirs sexuels, mes pulsions sexuelles. J'ai pris une femme qui satisfait mon désir à moi. Mais j'ai oublié qu'en épousant cette femme-là, en même temps, je l'ai choisie comme la mère de mes enfants. Maintenant, elle va finir de satisfaire mon désir. Quand on a un enfant, maintenant, elle fait quoi? Hein? Il y a des femmes qui savent s'occuper d'un homme, mais qui ne savent pas éduquer un enfant. Quand ils s'occupent d'un homme, là, dans la nuit, mais elle ne sait pas éduquer un enfant. Elle n'a même pas le temps pour ça. Elle ne sait pas le faire. Et si toi, tu regardes que ça, les savants disent, tu as pensé à toi, tes droits, et tu as oublié les droits de tes enfants sur ta personne. Et An-Nabi nous a interpellé sur ça. Il dit, Yaoum al-Qiyama, il y a des enfants qui viendront se plaindre auprès d'Allah pour leurs parents. Ils diront, Ya Allah, mon père a choisi pour moi une mauvaise mère. Naam. Il a pris une femme que lui, il aimait. Une femme qui lui, il a rangée. Une femme qui le faisait rire, lui. Qui veut faire sa vaisselle, lui. Mais il n'a pas choisi une femme qui a été une bonne mère pour nous. Et nous a pas orienté vers Allah, nous a pas appris le dîn et nous a privé de nos droits. Et le responsable, c'est notre papa. Parce que c'est lui qui l'a choisi comme mère pour nous. Il y a des enfants aussi qui vont se plaindre auprès de leur mère. On dira, notre mère a choisi pour nous un mauvais père. Il ne nous a jamais appris le Coran. Elle a pris qu'un homme qui la faisait rire et tout, mais pas un homme qui allait nous éduquer comme il se doit. Et si tu as choisi une femme que tu as oublié le droit de tes enfants, si tu n'as pas donné leur droit dans la dunya, tu vas le donner au Maltayam. Bon gré, mal gré. Ils vont venir le prendre, ça c'est clair. Allah leur dira de venir puiser dans tes bonnes actions jusqu'à ce qu'ils soient satisfaits. Tu sortiras zéro. C'est clair. Tu sortiras bredouille, tu n'auras rien. Voilà pourquoi fais très, très, très attention. Fais très attention dans le choix de la femme. Fais très, très attention aux femmes aussi dans le choix de l'homme. Je dirais même que la femme doit faire encore plus attention dans le choix du mari que l'homme. Oui, on le dit, les ulama le disent. Normalement, le Qurtubi, rahimahullah, c'est ce qu'il a dit clairement. Il dit, la femme même doit faire encore plus attention dans le choix que l'homme. Pourquoi? On dit, l'homme, s'il a fait une erreur une fois, il peut se rattraper, non? Il a choisi une femme, elle est belle et tout. Après, il s'est rendu compte que cette femme-là, bon, vraiment, elle ne sait pas éduquer les enfants. Il peut prendre une deuxième, non? Il peut prendre une deuxième. Et elle, si Allah a facilité, il peut envoyer ses enfants sur la deuxième. Et puis elle fera le reste. Si encore il a pris la deuxième, que la deuxième l'a trompée un peu, comme si elle aimait le Coran, une fois qu'elle s'est mariée, elle dit, bon, tout ça là-même, c'est pas important. Elle dit, ah, tu m'as trompé, ça fait deux. Il peut encore se rattraper, non? Apprendre une troisième. Si la troisième aussi l'a trompée, il peut encore se rattraper, hein? Apprendre une quatrième. Et donc si la quatrième l'a trompée, on ne peut rien faire pour lui. Hein? Un ami dit, le croyant ne se fait pas mordre deux fois. Hein? Une fois, le serpent t'a mordu deux fois, trois fois, quatre fois, c'est que tu n'es pas intelligent. C'est qu'il y a un gros problème. C'est, le problème, ce n'est pas les femmes, c'est toi. Alors, même si tu les chasses, tu vas refaire la même erreur. Donc c'est toi le problème. D'accord? Écoutez bien, l'homme, il peut réparer son erreur. Souvent. Mais la femme, elle fait comment? Quand la femme se marie à quelqu'un, s'il a trompé, faisons croire que c'est quelqu'un de bien. Et puis dans le mariage, ce n'est pas le cas. C'est plus difficile pour la femme de sortir du mariage. C'est très difficile. Quand elles vont en parler, elles vont lui dire patiente. Fais doigt.
patiente. Il aura un enfant. Dans la patience, là, elle ne peut pas se refuser à son mari. Il y a un enfant. Patiente, ça va aller, il va changer. On va lui parler. On lui parle, il change un mois. Dans les deux mois où il change, là, il la met enceinte encore. Il y a un enfant qui vient. Troisième mois, il revient dans ses manchets. Patiente. Elle espère, elle reste dans cette patience-là. Parce que c'est difficile pour elle de sortir du mariage. Voilà pourquoi les savants disent la femme, elle fait un choix dans sa vie. L'homme, il peut en faire jusqu'à quatre. Mais la femme, elle n'a pas droit à l'erreur. Donc il faut qu'elle prenne son temps. Quand on dit prendre son temps, je n'ai pas dit de réfléchir pendant 5 ans. Ça veut dire quoi? Il faut vraiment, vraiment être rassuré de celui avec qui on doit se marier. Nabi nous a demandé, ce n'est pas une question de l'espionner, c'est ton droit. Il faut te renseigner sur sa famille. Naam, la moralité de sa famille. Mène tes enquêtes comme tu peux. Renseigne-toi à son propos. Si tu veux, me demande, envoie des gens pour demander à des inconnus. Même des investigations sur lui, c'est ton droit. Naam. Parce que si tu as mal fait ton choix, tu vas en payer le prix. Ça, c'est clair. Tu vas en payer le prix. Et il y a beaucoup de sœurs aujourd'hui qui ont mal fait leur choix. Et aujourd'hui, c'est difficile. Des frères, ils ont maquillé un peu leur apparence après le mariage. Vraiment, c'est difficile pour la sœur. Et la sœur sait dans quel état elle se trouve. Souvent même, il y a des sœurs qui veulent se retirer, mais on lui dit, patiente, inchallah, ça va aller. Voilà pourquoi dans notre din, on ne se marie pas juste pour se marier. Il faut choisir la bonne personne. Il faut choisir la bonne personne, la personne qui crée Allah. Pour ça, il ne faut pas juste se regarder, il prie, non, 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 il fait ceci, non. Ça ne suffit même pas. Moi, je le dis toujours, hein. Ça ne suffit pas. Il prie bien, il prie beaucoup. Prier beaucoup, là, ça ne suffit pas. Quelqu'un vient demander la main de ta fille, il prie beaucoup. Ça ne suffit pas. Wallah, il a dit. Il prie beaucoup, il prie comment? Beaucoup, là, il fait ça comment? Oui, il prie beaucoup. Oui, il n'y a pas de souci, il prie beaucoup. Beaucoup, là, il fait ça comment? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, salam alaikum, salam alaikum. Il groupe ses prières. Ils sont beaucoup, là, il fait ça comment? Pose-toi la question. Il prie beaucoup, mais Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, salam alaikum. Il ne faut pas lui donner ta fille. Non, 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 non. Ne lui donne pas ta fille. Quelqu'un qui ne valorise pas la salah, ne lui donne pas ta fille. Parce que quelqu'un qui ne valorise pas la salah, il est maudit par Allah. Et ta fille n'a aucun avenir avec une personne qui est maudit par Allah. Ne te fatigue même pas. Quelqu'un qui prie quand il veut, comme il veut là, ne lui donne pas ta fille. On n'a pas dit seulement de regarder s'il prie. Il prie comment? Il prie comment? Dans sa manière de valoriser la prière, tu sauras s'il crée Allah. Vous voulez savoir s'il crée Allah, non? Regarde comment il prie. Allahu Akbar, Allahu Akbar, salam alaykoum, ne te fatigue pas. Mais sa prière, il prie à l'heure. Il valorise la salah. Il médite. Il est attaché au Coran. C'est des signes qui ne trompent pas. Quand quelqu'un accomplit la prière correctement, c'est des bons signes. Quand quelqu'un aime la salah, c'est de bons signes. Mais juste à vitesse grand V, ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Non, elle porte le hijab, elle se voile. Elle se voile comment? Posez pas là. Pourquoi vous en faites? C'est ce que je... Pourquoi vous ne demandez pas comment elle fait? Le plus en islam là, le but, c'est de faire ce qu'Allah nous a dit de faire, ou bien de faire ce qu'Allah nous a dit de faire comme Allah il veut. C'est quoi le but? C'est de juste faire ce qu'Allah a dit de faire, ou bien de faire ça comme Allah il veut. C'est de faire comme Allah il veut. Le but, c'est pas juste d'adorer Allah, mais d'adorer Allah comme Allah veut. Le but, c'est pas juste de prier, mais de prier comme Allah il veut. Le but n'est pas juste de porter le hijab, mais de porter le hijab comme Allah il veut. Le but n'est pas juste de lire le Coran, mais de lire le Coran comme Allah il veut. Le but, c'est pas juste de payer la zakat ou d'aller faire le hajj, mais de faire le hajj comme Allah il veut. Le but n'est pas de poser l'action, mais la manière, la méthode, on le fait comment? Non, la seule, elle se voile comment? Elle met un bouquet de fleurs sur sa tête, elle se maquille, elle met un jean avec un habit, c'est ça le hijab là? C'est comme ça elle se voile. Et c'est comme ça tu as beaucoup de boulot, mon frère. Beaucoup de travail. Beaucoup même. Si c'est comme ça là, tu as beaucoup de boulot. Non, en tout cas, vraiment, leur famille là, c'est de bons musulmans. De bons musulmans, comment? 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 Pourquoi tu dis ça de bons musulmans? Comment?
Parce que quand tu arrives chez eux, c'est salam alaikum, salam alaikum. Ou bien chez eux, là, ils ont une petite mosquée à l'intérieur de la cour, donc c'est des bons musulmans. Même chez eux, il y a une petite mosquée dans leur maison. Ceux-là, non, c'est des bons musulmans. Allahu Akbar. La petite mosquée qu'ils ont fait dans leur maison, là, c'est pour quoi? Et pour faire cela, ton djama'a là-bas. Hein? La petite mosquée. Ça même, c'est les signes qui te découragent. La petite mosquée, là. Ils font quelques de prière, là-bas. Le prière obligatoire dans leur petite mosquée. Le papa va à la mosquée ou bien ils font toutes leurs prières à la maison en djamaa dans leur petite mosquée. Hein? Ah, le but c'est quoi? Le but c'est quoi? C'est seulement les prières sur rogatoire ou bien ils s'élèvent la nuit pour faire kriyamoulay dans cette petite mosquée ou bien toutes les prières obligatoires c'est dans cette petite mosquée. Allahu Akbar. Hein? Ils prient comment? Voilà pourquoi il faut toujours chercher à savoir comment les ordres d'Allah sont appliqués. Et c'est la meilleure manière pour savoir est-ce qu'une personne est attachée à Allah, oui ou non. Je vous le dis ouvertement, dans notre dunya d'aujourd'hui, on est confronté à ça. Tout le monde dit qu'il est musulman. Tout le monde dit qu'il suit la sunna. La seule chose qui nous départage, c'est le comment. Mais ce n'est pas le comment. C'est le comment. Tout le monde prie. Tout le monde lit le Coran. Tout le monde paye la zakat. Tout le monde se marie. La différence entre les gens de la sunna et les gens de la bid'ah, c'est le comment. Le comment, là, on va toujours poser la question. Eh, mais il diable, là, comment? Il prie comment? Ben, c'est le comment, là, qui nous départage. Ils le font comment? Ils le font comme ils veulent? Ils le font selon la sunna de Nabi? Ils le font comment? Et ce comment, là, si vous ne vérifiez pas que l'objectif, c'est d'appliquer, elle va rentrer dans le mariage. Elle ne va pas adorer Allah comme Allah veut, elle va adorer Allah comme elle veut. Parce que toi, le comment n'était pas important. Donc elle sera mariée aussi, le comment aussi ne sera plus important. Et tu vas assumer. C'est comme ça. Et si on vérifie le comment, on va voir que ce sera plus facile de filtrer. Ce sera plus facile. Il y a deux femmes que je vais marier, les deux portent hijab. Mes portes, les deux la portent hijab, comment? Plus on essaie de voir la manière dont la personne applique, on arrive, Inch'Allah, à filtrer. Et de nos jours, c'est l'une des meilleures méthodes pour disséler celui qui valorise Allah, celui qui est attaché à la sunna ou celui qui ne l'est pas. Voilà pourquoi j'insiste dessus. Le plus important, ce n'est pas de se marier, mais d'avoir une femme pieuse. Une femme pieuse. J'ai un dernier conseil. Je sais qu'il est l'heure, j'ai un dernier conseil. C'est quoi le dernier conseil? Ça, il faut que je le donne avant de partir. Je demande la permission de l'imam. Il faut que je le donne. On en parle à moi, mais il faut que j'en parle. Ce conseil-là, c'est quoi? Concernant les qualités à rechercher pour identifier la femme pieuse. Parce que c'est ça le plus important. Hein? J'ai parlé de la valeur qu'elle donne aux ordres d'Allah. J'ai parlé de comment elle applique les ordres d'Allah. C'est ça, non? Il faut qu'elle applique comme Allah, il veut, comme An-Nabi a demandé. Maintenant, il y a une qualité. Il faut que je parle de cela. Vous savez, quand la piété s'installe dans le cœur, quand une personne crée Allah, l'une des toutes premières qualités qui montre la sincérité d'une personne, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? L'humilité. J'ai dit quoi? L'humilité. Et ulama, ils disent, prenez ça en tout le furqan. Lorsqu'Allah a commencé à décrire ses serviteurs, qu'est-ce qu'Allah il a dit? وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا. La première qualité qu'Allah il a présentée des croyants, qu'est-ce qu'Allah il a dit? يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا. Allah dit, lui, ces croyants-là, quand ils marchent sur la surface de la terre, ils marchent avec humilité. Quand tu les vois dans leur manière même de marcher, tu sais que lui-là, il n'est pas orgueilleux. Il est humble. Les ulama, ils disent, rahimahumullah, dit c'est l'une des qualités les plus importantes à regarder dans le mariage, avant le mariage. L'humilité. Le contraire, c'est l'orgueil. C'est ça, non? Et Nabi Adi alayhi salatu salam n'entrera pas au paradis. C'est lui qui a dans son cœur le poids d'un atome d'orgueil. Tellement là, il déteste ce péché-là. L'orgueil. L'humilité. Pourquoi les ulama nous demandent beaucoup de regarder cette qualité? Celui qui est humble, il accepte d'être reformé.
il accepte d'être éduqué. Il reconnaît ses torts, il accepte qu'il a tort, il écoute les conseils et on peut faire de lui quelqu'un de meilleur demain. C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai ou c'est faux? Même ce moment où on marie cette personne, que cette personne n'a pas toutes les qualités, si c'est une personne humble, quand tu lui parles, elle t'écoute. Quand tu lui dis, tu t'es mal comporté, elle s'excuse. Elle reconnaît qu'elle est en tort. Celui qui est humble, Allah le fait progresser. Parce qu'il accepte ses torts, il accepte ses erreurs, il accepte les critiques et il accepte, il reconnaît qu'il doit s'améliorer. Il n'a pas de mal à présenter ses excuses. Mais celui qui n'a pas l'humilité, on ne peut pas l'éduquer. On ne peut pas le reformer. Écoutez bien ce que je dis. Après, c'est comme ça, il faut que je le donne. On ne peut pas l'éduquer. Ah, elle est gentille. C'est vrai. Fais des cadeaux à ma mère, c'est vrai. Elle respecte ma maman, c'est vrai. Mais elle n'est pas humble. Elle ne reconnaît pas ses torts. Ça veut dire que quand tu vas la marier, là, les deux fois avec lesquels elle va rentrer, là, elle va mourir avec ça. Tu ne pourras pas changer. Elle ne va jamais reconnaître qu'elle est en tort. Et une femme qui ne reconnaît jamais qu'elle est en erreur, tu ne pourras jamais la rendre meilleure. Tu ne peux pas l'éduquer. Si tu ne peux pas l'éduquer, elle ne pourra pas éduquer tes enfants. Le même caractère qu'elle avait avec lequel elle est rentrée là, c'est le même caractère qu'elle va véhiculer à tes enfants. Un homme qui n'est pas humble. Voilà pourquoi c'est important. Un homme, regardez la vie des sahaba radiallahu ta'ala anhum. Ils étaient très humbles. Un homme qui n'est pas humble, il a toujours raison. Il ne peut pas ouvrir sa bouche pour dire à sa femme, je me suis trompé, je m'excuse, c'est toi qui as raison, j'ai tort. Ça veut dire, c'est un homme que tu ne pourras jamais rendre meilleur, tu ne pourras pas le changer. La manière que tu l'as connu avant le mariage, là, il va rester comme ça. Parce que peu importe ce que tu lui diras, il n'acceptera jamais qu'il est en erreur. À cause de l'orgueil. Et un homme que tu ne peux pas reformer, tu ne pourras pas le rendre meilleur. Si tu ne peux pas rendre une personne meilleure, c'est même pas la peine de te marier avec lui. C'est pas la peine. C'est un point fondamental qu'il faut regarder. Une personne qui a de l'orgueil dans le cœur, c'est une personne qu'on ne peut pas éduquer. Et si tu ne peux pas éduquer une personne orgueilleuse, tu es mal barré, tu es foutu. Femme comme homme. Voilà pourquoi plus une personne... Regardez dans le couple, quand il y a des disputes dans le couple, là, qu'est-ce qui fait que la discussion baisse? Imaginons que c'est un couple de deux orgueilleux. Moi, je ne peux pas demander pardon. La femme sait qu'elle est en tort, elle ne va jamais s'excuser. L'homme, lui aussi, il braque son manteau d'homme, je ne m'excuse jamais. C'est elle qui est en tort. Chacun est rempli d'orgueil, de fierté. Qu'est-ce qui arrive? Personne ne s'excuse. La situation reste comme ça jusqu'à... On se boude, on se boude, on se boude. On ne s'excuse pas. Et quand on ne s'excuse pas, le même comportement là, qui a fait que nous deux, on s'est fâchés, ça va revenir. Parce qu'il ne reconnaît pas qu'il a fait une erreur. Elle aussi, elle ne reconnaît pas qu'elle a fait une erreur. Donc si elle ne reconnaît pas qu'elle a fait une erreur, que moi je ne reconnais pas, ça va revenir. Et quand ça revient, on est exposé à ça constamment. Pour finir, ça tue l'amour. Il n'y a plus d'entente. En fait, vous ne vivez plus. L'homme n'est pas reformé, la femme n'est pas reformée, les enfants ne sont pas. Et il n'y a aucune utilité dans votre mariage. Mais lorsque dans un couple, même si les deux ne sont pas humbles, qu'il y a un qui est humble, le plus souvent, celui qui est humble, c'est lui qui fait que la bagarre se termine. C'est pas vrai? Si la femme est humble, même quand c'est l'homme qui a raison, elle dit « je m'excuse ». Quand c'est l'homme qui est humble, même quand c'est lui qui a raison, souvent, il appelle sa femme, il dit « en tout cas, si je t'ai vexé », il ouvre la porte pour qu'au moins la femme sente qu'il brise son orgueil d'homme et il s'excuse. Et l'une des qualités premières des croyants, les oulamas, ils disent « il y a l'humilité ». C'est l'un des signes les plus importants qui montre qu'une personne crée en Allah. Celui qui crée en Allah, il est humble. Ça fait partie même des signes pour nous permettre de reconnaître les vrais savants. C'est pas vrai? On dit les vrais savants dans la Ummah, ils seront toujours humbles. Au-delà de leur humilité, ils ne vont pas aimer la célébrité. Ça fait partie des signes que nos salams ont donné. Tellement ils sont humbles. On dit, quand tu les vois, c'est l'humilité au maximum. Ils ne se sentent pas plus savants que tout le monde.
Et souvent même, ils ne se considèrent même pas eux-mêmes comme des savants. Non. Parce que parmi les premières qualités que la piété fait installer dans le cœur, il y a l'humilité. Donc si Nabi nous demande de marier une femme pieuse, marier une femme humble. Parce qu'on ne peut pas atteindre la piété dans l'orgueil. Ce n'est pas possible. Et faites très attention à ça. Voilà pourquoi les ulama ils disent, il y a des qualités vraiment importantes qu'il faut regarder. J'ai dit première qualité, j'ai parlé de quoi? Attachement de la femme à Allah, la valeur qu'elle donne aux ordres d'Allah. Deuxième, comment on applique les ordres d'Allah. C'est ce que j'ai dit. Hein. Troisième, j'ai parlé de quoi? L'humilité. Il y a beaucoup de qualités, mais c'est des qualités qui nous aident le plus souvent à éviter de commettre de grosses bêtises. Si une femme valorise les ordres d'Allah, qu'elle applique les ordres comme Allah il veut selon la sunna et qu'elle est humble, il y a de fortes chances que tu réussisses ton mariage. Même si elle n'a pas toutes les qualités, tu pourras l'éduquer. Parce qu'elle va t'écouter. Elle acceptera souvent qu'elle a tort. Si un homme valorise les ordres d'Allah, qu'il applique les ordres d'Allah selon la sunna, qu'il est humble, il y a de fortes chances que vous allez réussir votre mariage. Parce que souvent il va t'écouter, il va se rendre compte qu'il est en erreur. Et ça va l'aider à être meilleur. Et on se marie pour être meilleur. Et non pour rester au même stade. On se marie pour développer des qualités, comme l'a dit Allah, litaskunu ilayha, pour atteindre une certaine sakina. Est-ce que tout le monde me suit? Donc en un mot, voilà un peu les conseils que je pouvais vous donner, déjà concernant l'importance du mariage, ceux pour qui le mariage est obligatoire ou recommandé. Le plus important dans le choix du conjoint, c'est la femme pieuse ou l'homme pieux, comme je l'ai cité. Et puis aussi des qualités qui sont très très importantes à rechercher auprès des femmes pour être sûr au moins, même si ce n'est pas à 100%, Allah seul est plus savant, mais au moins être sûr qu'on choisit la bonne femme. Et quand c'est comme ça, ça nous aide énormément. Et Nabi a parlé de la femme affectueuse qui donne beaucoup d'enfants. J'ai eu un frère qui m'a dit, ah Nabi dit de marier toutes les femmes qui font beaucoup d'enfants. Mais il n'est pas encore marié, comment je vais savoir qu'elle fait beaucoup d'enfants? C'est une question qu'on se pose, non? Hein? Et ça veut dire, en fait, quand David dit marier des femmes qui font beaucoup d'enfants, ça veut dire des femmes qui aiment faire beaucoup d'enfants. Vous comprenez, non? Parce que qui font beaucoup d'enfants, comment tu vas savoir qu'elle fait beaucoup d'enfants? À moins que ce soit déjà marié. Donc, les savants disent qui aiment faire beaucoup d'enfants. Et plus une femme aime faire beaucoup d'enfants, c'est une femme qui aime beaucoup plus d'affection. Une femme qui est plus affectueuse, elle aime beaucoup forcément les enfants. Et une femme qui aime faire beaucoup d'enfants, le plus souvent ce sont des femmes qui sont beaucoup plus attachées à leur époux, qui ont beaucoup plus de, comment on peut expliquer ça, de douceur et tout, parce qu'elles adorent les enfants. Mais les femmes d'aujourd'hui, là, elle m'a dit, moi là vraiment, j'aime pas beaucoup d'enfants. Je vais avoir deux, je vais avoir trois. Non. Nabi dit, marie les femmes qui aiment beaucoup d'enfants. Une femme te dit, j'aime avoir beaucoup d'enfants, alhamdoulilah. Même si vous n'avez pas pu avoir beaucoup, mais au moins, c'est une bonne qualité. Mais moi, je n'ai pas envie. Hein. Je veux faire deux, trois vies, c'est bon. Parce que Nabi nous a dit, il y a une femme qui aime les enfants. C'est bon? Qu'Allah nous aide, qu'Allah nous donne la bonne compréhension. Donc, on ne finira pas de parler de mariage. Le sujet est tellement vaste et important. Nous prions Allah, qu'Allah nous pardonne, qu'Allah nous stabilise. Qu'Allah facilite le mariage pour chacun d'entre nous. On m'a dit qu'il y a parmi dans la ligue des célibataires qu'il y a deux qui se sont mariés. Hein? Qu'il y a deux frères qui se sont mariés. Parmi les frères célibataires qui m'accompagnent beaucoup là, qui sont les deux qui sont mariés là. Qui est qui? Hein? Les deux mariés, ils sont où? Il y a deux dans le groupe de célibataires, il y a deux qui se sont mariés. Où sont les deux? Celui qui est en blanc là, et puis il y a qui encore? Il a fui. Allahu Akbar. Qu'Allah mette la baraka dans le mariage. Qu'Allah donne des enfants de baraka. Voilà, maintenant ceux qui ne sont pas encore mariés là, vous attendez quoi? D'accord, moi demain, mais comme c'est. Hein? Vous attendez quoi? Hein? Commence par toi d'abord. Toi, tu attends quoi? Hein?